Bonjour aventurier galactique, aujourd'hui on reste à la maison puisqu'on va parler des biscottes. Et oui, pourquoi la biscotte tombe toujours du côté tartiné? En réalité, une tartine a autant de chances de tomber sur le côté tartiné que sur le côté pain. Généralement, la biscotte tombe lorsque nous sommes en train de la tartiner assis à table. En tombant de la hauteur d'une table classique, la biscotte a tout juste le temps de faire un demi-tour avant de toucher le sol. Voilà pourquoi elle tombe le plus souvent sur le côté tartiné. Pour avoir plus de chances qu'elle tombe du côté pain, il faudrait qu'elle fasse une chute de 2,50 m, car elle aurait alors le temps de faire un tour complet. Prenons un basketteur connu comme LeBron James, faisons-le lâcher la tartine d'une hauteur de 2,50 m et voyons ce qu'il se passe. Comme la hauteur est plus élevée qu'une table classique, on peut voir que la tartine a le temps de faire un tour complet avant d'atteindre le sol. En conclusion, la biscotte qui tombe toujours du côté tartiné est une légende. J'espère que tu as aimé cette vidéo courte et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.